Il y a beaucoup de souvenirs dans cette anse de Camarelle. Il y a eu le côté maritime, il y a eu le côté agricole, parce que c'était un village quand même moitié agricole, moitié maritime. Il y a eu quelques gabarres. Enfin, à Camarelle, personnellement, moi j'ai connu que deux gabarres, dont le Sept Frères, et une autre gabarre qui, elle, faisait uniquement, disons, le Merle, le Guémont, ce genre de choses. C'était la famille Séguillon. Il me semble que le bateau, d'ailleurs, c'est de père en fils, s'appelait le Saint-Joseph, je crois. Il faisait aussi des expéditions jusqu'à Bréhat avec des familles. Moi, personnellement, j'ai été avec lui. C'était disons, le bout en train du village, hein, le père Séguillon. Et dans ce village-là, il y avait déjà trois commerces. Trois commerces dans le village proprement dit, quoi, de Camarelle. Il y avait trois bistrots, épiceries, comme on faisait partout. Il y avait les jeux de quilles, les jeux de boules. Il y avait même un bistrot, moi j'ai connu, c'était chez Brouster. Il y avait une petite salle de danse où, comment on dit, on s'amusait comme on pouvait, du moins tout de suite après la guerre, hein, pour moi. Sinon, il y a l'histoire des sept frères, de la famille Daniel. C'est un bateau qui, lui, on peut dire que c'est un véritable mystère à lui-même. Il faisait surtout la navette entre la Bretagne et l'Angleterre, dans le transport de un peu de tout. Pour ne rien citer de précis, il faisait un peu de tout. Hein, disons, il a eu des petits problèmes, je crois, avec la police anglaise ou la douane anglaise. Et bon, il est venu se cacher là dans l'anse de Camarelle qui est. Et ensuite, il n'a pu bouger de là. Après, il est resté là. Moi, j'ai connu, il était encore en entier, avec tous ses gréements. Il flottait même encore. C'est dommage parce que c'était un merveilleux bateau. Mais disons qu'en même temps, ça fait l'attraction du coin. Les gens venaient le voir. Depuis, hélas, c'est devenu un cimetière à bateaux, la petite anse de Camarelle. Elle a perdu un petit peu son charme du fait que on l'avait comblée. On dit que c'est le cimetière de Pleu Daniel qui a commencé à le combler, mais bien avant, c'était bien avant la guerre, parce que d'un côté, le côté gauche, face à ce qu'on appelait, pour aller donc vers chez les Daniels, des jardins se sont implantés déjà, bien avant la guerre. Donc, oui, alors tous les ans, le 15 août, c'est la fête de Marie, et donc tous les ans, il y a une grande fête patronale qui a perdu son emploi, son intérêt, du moins pour la bonne raison que, bon, déjà les défilés ou les cortèges, du moins, sont interdits sur les grandes routes, et les processions ne peuvent plus se faire comme on le faisait dans le temps, du bourg jusqu'à la chapelle, et retour quelquefois. Et avec bien sûr des décors sur les chemins, tout ça. C'était une fête très très fréquentée. Tous les gens des environs, que ce soit de Paimpol et au-delà de Trier, même voire de Guingamp, un peu partout, les gens venaient en dévotion, venaient même à pied, un peu comme on le fait pour Saint-Yves à Trier. Il y avait une petite fête profane à côté, disons, soit tout un tas de jeux, tout un tas de. Spécialement, c'était les jeux de force, les jeux de quilles. Il y avait des jeux de natation aussi, à la Gaudie, aux avirons, des courses de natation, courses au canard. On faisait un lâcher de canard, et puis il fallait. Même en liant les pattes de canard, ils avaient quelquefois du mal à les rattraper. Ouais. Sinon, il y avait autour de cette chapelle-là, il y a le fameux mois de mai, qu'on appelle aussi le mois de Marie, où il y avait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps encore, même il y a encore de temps en temps, mais
Il y avait les prières du soir pendant tout le mois de mai, dont les gens aussi venaient de tous les environs assister aux prières du soir. Il y avait même encore autre chose qui me revient, c'est qu'on faisait ce qu'on appelle la préparation quand on faisait sa communion et ses Pâques. On faisait ça, le nom m'échappe, mais enfin, on préparait ça, et les préparations se faisaient pendant la semaine précédant les Pâques ou les communions, se faisaient à la chapelle, avec le vicaire ou des trucs comme ça. On appelait à la retraite.